Salut. Ah, génial, des feux d'artifice. Toute la ville va brûler et ensuite le feu de chaos consumera le monde. Qui aurait dit que les feux d'artifice étaient si dangereux? Imbécile, le chaos a déjà eu des bobos. En un rien de temps, les vers ramperont sur ton visage. Un meilleur endroit t'attend, l'enfer. C'est vrai ce qu'on dit, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Des chiens? Pourquoi faut-il que ce soit des chiens? Quel parfum fantastique! Tout le plaisir est pour la praline. J'entends l'appel du chaos. Le chaos n'aura jamais le dessus sur le croustillant. Allons-y. Pauvre de toi. Si j'ai envie d'avoir d'autres cicatrices, je les ferai moi-même. Le seul truc avec les perceuses laser, c'est qu'il faut les recharger toutes les 20 minutes. Pensée et prière satanique. Ça, c'est du véritable chaos. Maintenant, tout le monde est mort. Que le dieu des délices m'entende. Comment vous les aimez, vos cerises? Oh mon dieu, ta gueule. C'est la fin. Ah, elles sont à mon père, alors faudra que je les récupère. Avancez et tuez. Oh, c'est parti. Je mérite plus de respect que ça. La justice a le goût de la menthe cerise. Putain, qu'est-ce que... Oh la vache, il va noyer la ville entière sous la lave. Eh bien, je vois que vous êtes finalement parvenu jusqu'ici, la bande des clowns. Le clown et sa bande, Butters, mon dieu de merde. Et maintenant, vous savez qu'il est trop tard. Tout South Park sera bientôt recouvert de lave. Imaginez un peu, le moindre recoin sera sinistré. Tout le monde sera obligé de rester cloîtré. À jamais, le parc sera couvert de lave. Le fun sera couvert de lave. Ce sera le chaos absolu. Viens te battre comme un homme, chaos. Oh, je suis bien plus qu'un homme, le moustique. J'ai enfin réuni assez de papier alu pour assembler mon arme la plus terrifiante. La voici. Accueillez comme il se doit, Mecha Minion suprême de chaos! Es un trabajo. Oh ben merde alors! Maintenant préparez-vous à mourir, la bande des clowns! Le clown est... Ah, le bol s'est enfoiré à prononcer ses dernières paroles! Dégage! Oh, tu utilises une fraiseuse? Oh, je m'en fous. Allez, Trunic! Trunic les a anéantis. Ah, mes jambes. Tiene que enviar mi cheque. Oh non, revenez, mignon. Vamos. Bon, d'accord, il y a eu un petit contretemps, mais le chaos a toujours le dernier mot. Lancement de la phase 2. J'ai le sentiment qu'une chose tragique va se produire. La curación. Oh mon dieu, ces mignons doivent disparaître. Tomar el medicamento. Tu me soignes à merveille, mignon. Il doit me battre, là.
Et une belle mort. On doit vraiment remettre ça. Vous êtes redoutable maintenant. Ah, je suis prêt. T'as pris 10 secondes dans la face, mon duc. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Bon, rien que mes suprêmes mignons mes cacao ne puissent gérer. Non, ça ne peut pas finir ainsi. Je suis content qu'on ait choisi de faire 3 phases, les mecs. Merci, mec. Je suis plus qu'après, les gars. Chien de chaos, accomplissez votre devoir. Ah, le chaos total. Méga, charge. Ma faute si je vous déteste tous. Pour la liberté et ses potes. Très bien, K.O., parle. Qui t'a payé pour faire ça? Butters, réveille-toi. Je crois qu'il est mort, mec. Il n'est pas mort. Hé, les gars, je pense qu'on devrait plutôt le ramener à la base. Bon, allez, il faut le mettre dans notre prison. La prison? Ah, c'est que... il se fait tard, le mec. Il faut que je rentre ou je vais être puni. Fallait y penser avant d'essayer d'enfouir la ville sous la lave, K.O. Hey, mec. C'était super de bosser de nouveau avec toi, comme au bon vieux temps. Ouais, mais... je te l'ai dit. C'était que pour une fois. Je vous aidais seulement parce que je devais un service au nouveau. Allez, boîte à outils. Reviens dans l'équipe. Je peux pas, cerf-volant. La franchise des potes de la liberté va rapporter beaucoup plus. T'as tout faux. On va se faire genre $1 milliard. Nous, on va se faire $1 zilliard. Mais les gars, réfléchissez un peu. Pourquoi quelqu'un paierait Butters pour répandre le chaos? Qui ça peut bien être? Peut-être que c'est Tommy Nelson. Il a toujours été borderline. Et si la personne qui paie Butters n'était pas un enfant? C'est ça, K.O. T'as été payé par un adulte? Je vous jure, je connais pas son nom, les gars. Personne le sait. Il cherche juste à rassembler toutes les familles du crime en ville. Il est partout. Il ne porte pas de nom, pas de visage. Il peut changer d'aspect comme le vent change de direction. Attends, t'as dit quoi? Il dit qu'une révolution est en marche et que les ténèbres de nos propres cœurs causeront notre perte. Oh mon Dieu. Il est celui qui nous délivrera. Et il connaît la véritable faiblesse de la tolérance. Et sa venue amènera une vague de chaos inédite, je te jure. Oh Seigneur, est-ce que ce serait... Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Je connais qu'une personne capable de se camoufler si facilement. Et cette personne a aussi une bonne raison d'anéantir South Park. Qui? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh non. Non. C'est qui Mitch Connor? C'est l'idiot de main marionnette de Cartman. Tu sais pertinemment que Connor se servait de ma main pour parvenir à ses fins. Au début, il se déguisait en Jennifer Lopez qui aime les tacos et les burritos. Quand on l'a démasqué, la police l'a arrêté, mais il s'est enfui. Mais pourquoi il voudrait anéantir South Park? Et où il trouve tout cet argent? La ferme! C'est pas cet enfoiré de Mitch Connor! Comment tu le sais? Non, Kyle a raison, les mecs. Ça peut pas être Mitch Connor. Connor est mort dans une explosion pétrolière dans le nord de l'Alaska. Fais chier, je vais me coucher, moi. Ouais, bonne idée, homme cerf-volant. Il se fait tard, que chacun rentre chez soi. Et on se retrouve demain. Après... l'école. Et voilà le programme d'info pour bien commencer la journée. Bonjour, South Park! Le justicier de South Park a encore frappé la nuit dernière, cette fois dans un laboratoire de méthamphétamine d'un local Ustorit en centre-ville. Pour en parler, voici un nain coiffé d'un borsalino. Oui, Tom, 6 personnes ont été interpellées la nuit dernière après que le justicier a démantelé un immense trafic de méthamphétamine dans le local de stockage situé derrière moi. Des témoins nous ont confié des récits à la limite du supportable, selon lesquels les faits du justicier étaient si retentissants qu'ils semblaient faire plier la matrice du temps. J'ai jamais entendu un paix comme ça, mec. C'est comme s'il avait pété sur ma queue et que ma queue s'était trouvée transportée 20 secondes en arrière. Enfin quelqu'un qui se dresse contre le crime dans cette ville. Selon moi, tous ces individus avaient mérité qu'on leur pète dessus.
Pour moi, c'est une menace. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce justicier se radicalise et fasse sauter une école ou une église. Combien de temps faut-il à Captain America pour devenir Captain Idéologie ? Quoi ? Le troisième opus de Captain America, ça fait combien ça ? Dans les 6 ans ? Environ 6 ans ! Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le poste de police pour protester contre la vie de recherche qui pèse sur le justicier. Cette ville ne sera pas prise en otage par des vengeurs masqués qui rôdent et pètent la nuit à la face des gens. Nous exhortons tous les citoyens à s'armer et à lutter contre ce type d'oppression rectale. Ouais, c'est moi. Personne ne sait rien sur ce gamin, ni ses origines ethniques, ni même si c'est un garçon ou une fille. Qu'est-ce qu'on fait ? Continuez à mettre le produit dans la drogue et l'alcool des gens. Je vais m'occuper du justicier. Ça commence largement à déraper. Vous aviez dit que vous alliez virer le maire. Vous vouliez qu'on vous laisse tranquille, commissaire, pour faire ce que vous aimez faire. C'est ce que j'ai arrangé. Restez calme et bientôt, chacun aura ce qu'il désire. Hé, toi, attends! C'est toi le nouveau, pas vrai? Je m'appelle Wendy. C'est cool de te voir dans notre école. Ce petit problème dont Rabatteuse t'a parlé, c'est bien pire. La chambre du commerce veut se débarrasser du justicier à tout prix. Tu vois les toilettes au parc? Rabatteuse t'attend là-bas. Tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est cool que tu sois là, le nouveau. Thank you.